Bonjour à tous. Eh ben aujourd'hui on va partir retourner à Bangkok pour suivre une nouvelle aventure à Bangkok, parce que ici malheureusement on en a un peu marre du temps. Ouais, qui fait soleil, qui fait chaud, et ensuite il pleut beaucoup. Ouais, et puis surtout à Krabi, on va dire que c'est pas très grand quoi, donc après on a beaucoup de énorme. Bon, sinon le temps il pleut, ça ne dérange pas, mais c'est surtout la tempête. Ou pour les îles aussi. Pour les îles, on peut pas, les bateaux ils sortent pas. Donc on est coincé ici, donc autant partir en Thaïlande et enfin à Bangkok pour découvrir plein de choses, des temples, des magasins, les marchés surtout. Et surtout, je crois que ça va vous faire plaisir, tout ce qui est aquariophilie, animalerie. Le marché de Tchatchouchak, visite les fermes de Discus, peut-être bêta, peut-être crevette, j'en sais rien. Voilà. J'ai un guide là-bas, c'est un abonné, il m'attend là-bas demain et on va voir ce qu'on va faire. Il y en a quelques-uns qui vont dire « Ouh, ça c'est bon ça !» Mais bien sûr c'est bon, putain, c'est top. Bon, on commence à préparer et voilà. Allez, à tout à l'heure. Nettoyage des affaires de cuisine à l'extérieur. No problème. Et voilà le voyageur qui tremballe les valises. C'est pour ça que je veux pas de valise, moi. Hein, c'est chiant, c'est chiant. Oh, mais une CBR. Alors ça, c'est une CBR 150 chez eux, en Thaïlande. C'est différent de chez nous. J'ai l'impression que la moto elle est plus haute. Regarde-moi. Voilà, ça c'est les petits mobilettes de chez eux. Ils adorent les petites roues. C'est ridicule, mais ils adorent ça, les tailles. Oh là là, le ridicule ne tue pas. Attention, les bouées. Les bouées. Le gant des bouées. Il marche depuis la plage jusqu'à l'hôtel comme ça. Ça, c'est vraiment les Chinois. Oh, le massage le matin. Enfin, là, on est midi. C'est calme. Ah, il mange dehors et tout. Tranquille. Sympa. Hein? Ah, je cours. Putain, il pleut. Il pleut. On va à l'abri. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça commence à tomber. Ça va de rien? T'as fait quoi là? Ah, serviette? Ah oui, attends. C'est bon. Serviette quand même. Ah, regarde. En plus, elle est fraîche et tout, tu vois. Oh là là, ça fait un bien fou quand il fait chaud et tout. C'est des serviettes et ça sent vachement bon. Attends, regarde. Bon, ben on est allé balader. On est allé balader un peu et puis là on revient à l'hôtel pour récupérer les affaires avant de prendre le taxi pour à l'aéroport. Voilà, on prend le taxi direction aéroport. Car classe répare, car classe remplace. Un peu chaud. Hein. Ouf. Allez, on va récupérer les bagages. Alors, on est au rez-de-chaussée, en fait. Alors, dès que vous arrivez en Thaïlande, c'est super simple. Il y a là-bas, il y a SIM card. Hein. Tu payes une carte SIM pour une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, ce que tu veux. Et souvent, le 4G, il est illimité. Donc, voilà. À partir de 30 euros, ça veut dire 300 et quelques bahts, tu as une semaine, 8 jours de 4G illimité. Voilà, c'est super simple en Thaïlande. Et voilà, si tu veux te déplacer, tu as toujours des minivans à ton service, tu as les taxis, tu as tout un forfait qui te ramène chez toi à l'hôtel. Voilà. T'as des bus, t'as voilà, t'as tout.
Ça va? Ouais. Ouais. On attend. Tranquille. Bagage. Voilà. On a 2 heures devant nous, donc tranquille. Bon bah voilà, on a checké. Il ne reste plus qu'à attendre l'avion. Chaque fois quand on voyage, le plus chiant c'est à Dakar. Arriver vachement tôt à l'aéroport. Parce qu'en Asie, suivant les circulations, alors je vous donne un conseil la prochaine fois si vous allez en Asie, que vous avez un avion à prendre pour aller, peu importe, pour retourner en France, ou alors changer de ville, ou peu importe, prenez du temps, prenez beaucoup de temps à l'avance. Parce qu'en Thaïlande, les circulations, c'est suivant des villes, suivant où vous êtes. Quelquefois, c'est long, beaucoup de trafic, surtout à Bangkok. Parfois, on peut rester bloqué pendant 2h30. La dernière fois, on a pris un taxi, 35 km. On a dû mettre presque 1h45 pour arriver à l'aéroport. On était vachement à la bourre et tout. Donc, prenez du temps. Allez, on vient d'arriver à Bangkok. Très bon vol, très bon vol de Thai Air Lion. Bon, quand tu arrives à l'aéroport, tu crois que tu peux prendre n'importe quel taxi. Eh ben non, on te donne un numéro, un ticket. Et là, tu as des numéros sur le tableau et tu attends ton tour. Voilà. Parce qu'il y en a tellement de passagers que on est obligé de faire ça. Donc voilà, on va attendre notre tour, hein, 407. Voilà, bienvenue à Bangkok. On est en taxi et on va à l'hôtel déposer les affaires. Et après, on va faire un petit tour. Allez, ça y est, on est en Bangkok et le trafic commence. Voilà. Et autour, bah t'as... Et voilà, en direct de Koh Samui Road, on est arrivé à Bangkok. La carte est là, on va découvrir la chambre en direct avec vous. Bon, ok, comment ça marche? Allez. Allume, tiens, la carte, claque dedans. Tac, tac, tac. Attends, non, celui-là. Est-ce que t'as pas mis la carte à l'envers? Ah, voilà. Ouh, sympa. Pouh, direct. Bon, sympa. Attends, jolie serviette. J'ai envie de bien faire. Ouais, une petite douche, hein, pour. Ah. Petite douche, tranquille. Tu veux des boissons? Alors, les boissons, c'est consommable. D'ailleurs. Putain, mais il n'y a que de la bière ou quoi? Il nous prend pour les alcoolos ou quoi? Bon, allez, bref. Ouvre un peu la fenêtre. Putain, j'ai des poses de mon sac, là, déjà. Qu'est-ce qu'il y a dehors? On n'a pas une jolie vue. On n'a pas une jolie vue. Oh, oh. Ah ouais, la fête, elle est dehors, là-bas. Ouais, elle est là-bas. Par contre, un peu plus haut, je sais pas, il y a un truc là-bas. La fête est là-bas, donc voilà. Et... Putain! Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est arrivé à l'hôtel. Maintenant, on va sortir l'hôtel pour aller faire la fête. Manger. Par contre, on peut pas parler à la caméra. Ouais, donc, la musique. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go! Ouais. Thank you.
Waouh, c'est très très chaud ici. Waouh. En fait, dans les bars, il y a une espèce de surenchère. Le bar qui met le plus de son, il gagne. Il y a plus de clients. Oh, mais regardez-moi ça. Là, il y a des insectes et je crois que je vais goûter. Ah, là, ils vendent du kebab. Il y a les massages dans la rue. C'est un peu moins bruyant là déjà, on s'entend mieux. Alors tu veux un costume hein, sur mesure? Et c'est pas cher, vas-y. Des souvenirs. Alors regarde les rideaux là, enfin les hamacs, c'est sympa. Oh, regarde les hamacs, c'est très joli. Voilà, ici pour manger il faut faire la queue, c'est tellement bon. Eh oui, c'est ça l'Asie, c'est ça le Bangkok, c'est on mange dans la rue, c'est très très bon et pour pas cher. Alors, le Kosan Road, comment vous dire, il y en a plein de voitures, c'est la folie ici, les taxis, les bus, les voitures particulières, tous les touristes, voilà, tout le monde veut venir ici, et c'est le bordel, voilà, c'est vraiment le bordel, mais bon, ceci dit, on mange pour pas cher ici, mais vraiment pas cher. Une bière de 1 litre, c'est 2 euros. Voilà. Et puis des petits plats et tout à 1 euro. Franchement, c'est vraiment pas cher. Il y a des coques, des téléphones, des sacs, des babioles à 1 euro, 2 euros. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, des trucs comme ça. C'est des trucs de soie et tout. C'est pas cher du tout. Mais vraiment pas cher, pas cher, pas cher. Voilà, des sacs, tout ça. C'est des sherpas. Ouais. Les tons et tout, c'est pas cher. C'est des sherpas. C'est normal. Voilà, des lunettes. Voilà, plein de lunettes. Oh, ça c'est sympa ça, celui-là. C'est comme dans les... Ouais, comme dans les vidéos. Comme dans les vidéos, voilà. Ni mettre un traduit. Ben, je vais vous dire au revoir ici. Parce que bon, c'est toujours pareil, c'est le marché, il y a la bouffe, il y a du monde, il y a un peu de tout, il y a des bars et tout, donc c'est toujours pareil les images. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, on va visiter des temples, alors soyez attentifs, ça va être génial, je pense. Et puis n'oubliez pas, activez votre notification sur YouTube. Et puis pour les nouveaux abonnés, n'hésitez pas, mettez des pouces, lâchez les pouces bleus. Voilà, je vous fais un gros big up depuis le Koh San Road.